Hallelujah. Alléluia. Yeah, so it was three to four days ago. Il y a 3 ou 4 jours. Even though in the morning, Le matin, I woke up je me suis réveillé with one word, avec un mot, the mission. la mission. What is the mission? Qu'est-ce que la mission? What is your mission? Qu'est-ce que ta mission? What is your goal on this earth? Quel est ton but sur cette terre? Why have you been created? Pourquoi as-tu été créé? Why are you on this earth? Pourquoi es-tu sur cette terre? Because one day this earth will pass. Parce qu'un jour, cette terre va passer. Everything will pass, Toutes choses vont passer. except the word of the Lord. Il n'y a que la parole du Seigneur qui ne passera pas. Yesterday, Hier, I was thinking, je pensais, I was in my thoughts, j'étais dans mes pensées, like in meditation. comme si je méditais en fait. And I was thinking about the vanity of everything. Je pensais à la vanité de toutes choses. And I don't know, I was thinking about all the riches of Elon Musk. I think I was thinking about Elon Musk. Je pense que mes pensées étaient portées sur Elon Musk And et all ses the money that he has today. et tout l'argent qu'il a aujourd'hui. Elon Musk is the founder of PayPal, the founder of Tesla. Elon Musk, c'est le fondateur de PayPal, de Tesla, la voiture. And today is one of the richest men on earth. Et aujourd'hui, il est le plus riche homme sur la terre. One of. Un des plus riches sur la And I terre. was thinking, Et je pensais, and I was saying to myself, je me disais, oh, everything will pass. tout va passer. All those riches that we see in this Toutes les earth, richesses de ce monde passeront. all the belongings that you have. Toutes les propriétés que nous avons, All this money that you have in your bank account, tout cet argent que tu as dans ton compte en banque, all this gold, tout cet or, all those tous jewelries, ces bijoux, everything will pass, tout passera. and we will die, Et nous mourrons. and everything will stay, Et tout restera. and one day it will vanish. Et un jour, ça disparaîtra, tout And I ça. was thinking about the futility of it. Et je pensais à la futilité de toutes ces choses. And it crossed my mind. Et Ça m'est venu dans ça l'esprit. m'est venu dans l'esprit. And so I was saying to myself, Et je me disais en moi-même, we are chasing things that will pass. nous courons après des choses qui passeront en fait. We are chasing wealth. Nous recherchons le bien-être, We les are richesses. chasing a career. Nous courons après une carrière. We are chasing so much things in this earth, Nous cherchons tellement de choses sur cette terre, but a lot of them mais la plupart d'elles are useless. sont inutiles. Hallelujah. Alléluia. And so, Ainsi, if you don't have a mission in your life, si tu n'as pas une mission dans ta vie, if you don't have a goal in your si tu life, n'as pas un but dans ta vie, then your life will be miserable. là, ta vie sera misérable. Your life will not be useful. Ta vie ne sera pas utile. What is going to make your life useful? Qu'est-ce qui fera que ta vie soit utile? Elohim Elohim has given us a mission. nous a donné une mission. So let's take a look at Matthew 10 first. Allons dans le livre de Matthieu 10. And Jesus was speaking to the disciples. Et Yeshua a parlé aux disciples. Verse 5. Au verset 5. These 12 Jesus sent forth. Ne vous procurez. Non, c'est bon. Sorry. These Tels 12 Jesus sent forth. sont les 12 que Yeshua envoya. And commanded them, Il leur donna ses ordres. saying, go not,
go not into the way of the Gentiles, en disant n'allez pas sur la route des nations, and into any city of the Samaritans, enter you not. Et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. But go rather to the lost sheep of the house. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Heal the sick. Guérissez les malades. Cleanse the lepers. Rendez purs les lépreux. Raise the dead. Ressuscitez les morts. Cast out devils. Chassez les démons. Freely you have received. Vous avez reçu gratuitement. Freely give. Donnez gratuitement. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Ne vous procurez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures. No scrip for your journey. Ni de sac pour le voyage. Neither two coats, neither shoes, nor yet staves. Ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier. For the workman is worthy of his meat. Car l'ouvrier est digne de sa nourriture. And into whatsoever city or town you shall enter. Et dans quelque ville ou village où vous entrerez. Inquire who in it is it is worthy. Informez-vous qui est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. And thereby till you go thence. And when you come into an house, salute it. Et en entrant dans la maison, saluez-la. And if the house be worthy, et si cette maison en est digne, let your peace come upon it. En effet, que votre shalom vienne sur elle. But if it be not worthy, let your peace return to you. Mais si elle n'est elle n'en est pas digne, que votre shalom retourne à vous. And whosoever shall not receive you nor hear your words when you depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Mais lorsque quelqu'un de vous ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Here we see Jesus. Ici nous voyons Yeshua. He's sending the disciples. Il est en train d'envoyer les disciples. The 12 apostles. Les 12 apôtres. And at that time. Et dans cette période, he didn't send them to the nations, il ne les envoyait pas vers les nations d'abord, or the Samaritans, ou bien vers les Samaritains. But the mission was for them to preach the house of Israel. Leur mission était de prêcher à la maison d'Israël. As he was not dead, et comme il n'était pas encore mort, the first mission. La première mission was the house of Israel. Était la maison d'Israël. But they haven't received him. Mais ils n'ont pas reçu. You see in John. Vous voyez dans Jean. In John 1. Jean 1. He's saying the word came to life. On nous dit que la parole est devenue vie. And this light came to men, but they haven't received it. Et la lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reçue. And he was speaking about Israel. Et il parlait d'Israël. They haven't received the Messiah. Ils n'ont pas reçu le Messie. So their rejection. Donc leur rejet, le rejet. Was our blessing. Était notre bénédiction. Their fall. Et leur chute was our blessing. Était notre donc bénédiction. Because they have refused. Parce qu'ils ont refusé. Then Joshua turned to the nations. Ainsi, Joshua a pu se tourner vers les nations. Alléluia. Alléluia. And so the mission. Donc la mission maintenant is clear. Est claire. Verse 7. Au verset 7. As you go. Et en allant. Preach, prêchez, saying the kingdom of heaven is at hand. En disant le royaume des cieux s'est approché. So the first mission here. Donc la première mission ici. I mean, in doing something.
Je veux dire dans l'action, hein? Because you were created Parce que tu as été créé to worship the Lord. Pour adorer le Seigneur. That's why you were created. C'est pour cela que tu as été créé. Elohim has created all of us. Elohim nous a tous créés. And he wants us to worship him. Et il veut que nous l'adorions, nous tous. That's why C'est pour cela he has created you. Il t'a créé. You are a worshipper. Tu es un adorateur. You are, let's see, there is a verse that is coming into me and then we will go forth. Donc il y a un verset qui monte dans mon cœur et ensuite nous reviendrons. Let's see John. Allons dans Jean 4. Jean 4. Verse 23. Jean 4, verset 23. But the hour comes, mais l'heure vient, and now he is, et elle est déjà venue, when the true worshippers, où les véritables adorateurs, shall worship the Father, adoreront le Père, in spirit, en esprit, and in truth, et en vérité, for the Father, car ce sont là, seeks, search to worship him, les adorateurs que le Père demande. Elohim is a spirit, Elohim est esprit. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. So Joshua was speaking of an hour to come. Donc Joshua parlait de l'heure à venir. And he was speaking about the church. Et il parlait de l'assemblée, de l'église. He was speaking about the pouring of the Spirit. Il parlait de l'aspersion du Saint-Esprit. And he was speaking about those who will worship him. Il parlait des autres qui, des personnes qui allaient l'adorer. That will worship him with, in spirit and in truth. Qui allaient l'adorer en esprit et en vérité. He was speaking about people that will receive the Holy Spirit. Il parlait des gens qui recevraient le Saint-Esprit. And that that Holy Spirit will enable them, et le Saint-Esprit serait capable, will enable them to worship in spirit and in truth, leur donnerait la capacité d'adorer en esprit et en vérité. Because he said, I am the way, the truth, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité, and the life, et la vie. So if we have Jesus, si nous avons Yeshua in our hearts, dans nos cœurs, then we have life, alors nous avons la vie. Then we have the truth, alors nous avons la vérité. Then we have the light, alors nous avons la lumière. And then we can worship, et ainsi nous pouvons adorer. We can worship, nous pouvons adorer Elohim, Elohim. As with the spirit, en esprit. Because the Lord seeks those worshippers. Parce que le Seigneur cherche de tels adorateurs. So, your goal, donc ton but, is to worship him, est de l'adorer. And because you worship him, et parce que tu l'adores, then, ainsi, the works will come too. Le travail viendra également. Let's go back to Matthew. Allons dans le retournons dans le livre de Matthieu. So the mission here, donc la mission ici, is to preach the kingdom, est de prêcher le royaume. You will see, vous verrez, that John the Baptist, Jean le Baptiste, was preaching the kingdom, prêchait le royaume. And Joshua was preaching the kingdom, prêchait également le royaume. And the disciples, et les disciples, when they started to preach, quand ils ont commencé à prêcher, they preached the kingdom too. Ils ont prêché également le royaume. They preached that to enter that kingdom, ils ont prêché que pour rentrer dans ce royaume, you need one man. Tu as besoin de quelqu'un. You need one Elohim. Tu as besoin d'un Elohim. You need Yahushua HaMashiach. Tu as besoin d'Elohim. You cannot enter that kingdom. Tu ne peux pas rentrer dans ce royaume. If you refuse to worship Yahushua. Si tu refuses d'adorer Yahushua. You cannot enter that kingdom. Tu ne peux pas rentrer dans ce royaume. If you don't convert. Si tu ne te convertis pas, you cannot enter that kingdom, tu ne peux pas rentrer dans ce royaume. If you are not born from heaven, si tu n'es pas né d'en haut, because you are dead, parce que tu es mort, in before being resurrected in spirit, you were dead.
Avant que tu sois ressuscité dans l'esprit, tu étais mort. That's why the first step C'est pourquoi le premier pas is for you to be resurrected. Est que tu sois ressuscité. Because if you are dead, parce que si tu es mort, you cannot do any mission. Tu ne peux faire aucune mission. That's why we see a lot of people. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens. They want to do something for God. Ils veulent faire quelque chose pour le Seigneur. But they cannot. Mais ils ne peuvent pas. Because they are not converted. Parce qu'ils ne sont pas convertis. And that's why. Et c'est pourquoi. They try with their flesh. Ils essayent avec leur chair. They try with their mind. Ils essayent avec leurs esprits. They try with the intellect. Ils essayent intellectuellement. But they don't give life. Mais ils ne produisent pas la vie. Because they don't have life in them. Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. Because they don't have Jesus in Parce them. Parce qu'ils n'ont pas Yeshua en eux. A dead man Un homme mort cannot produce life. Ne peut pas produire de la vie. Because you need Parce que tu as besoin to be free from sin d'être libéré du péché to produce works of life. Afin de produire des œuvres de vie. And to be free from sin, et pour être libéré du péché, it means cela veut dire that you have to be freed by Yeshua HaMashiach. Que tu dois être libéré par Yeshua HaMashiach. You know, vous savez, I was hearing something. J'entendais quelque chose, j'écoutais quelque chose. This morning, it was not this morning or this afternoon. Ce matin ou bien cet après-midi. And we used to say. Et nous avions l'habitude de dire. I have given my life to Yeshua. J'ai donné ma vie à Yeshua. Oh, yeah, but. It's a nonsense. Mais c'est un non-sens. Because. You were dead. Parce que tu étais mort. It's Yeshua that came into your life. C'est Yeshua qui est venu dans ta vie. And gave you life. Et qui t'a donné la vie. A baby. Un bébé. Cannot choose. Ne peut pas choisir. The family where he will be born. La famille où il va naître. He will be born in this family because Yeshua has chosen him to be born in that family. Il naîtra dans cette famille parce que Yeshua a choisi qu'il naîtra dans cette famille. Same thing with us. La même chose avec Spiritually, nous. Spirituellement, Yeshua gave birth to us. Yeshua nous a donné la vie, la naissance. And we have been born from heaven. Et nous sommes nés du ciel. You have received the word. Tu as reçu la parole. And this word was life. Et cette parole, c'était la vie. And this word was able. Et cette parole était capable. To give birth to you. De te donner la naissance, la so vie. So you haven't given your life to Jesus. Donc tu n'as pas donné ta vie à Yeshua. Jesus has given life to you. C'est Yeshua qui t'a donné la vie plutôt. Jesus has made you born. Yeshua t'a rendu t'as fait naître. When he talked to Jeremiah, quand il dit à Jérémie, he said, il dit, before, avant, that you were in the womb of your mother, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, I have established you prophet. J'étais établi prophète. So Joshua knew him before he was born. Donc Joshua le connaissait avant même qu'il soit né. And all of us, Joshua knows us before we were born. Et Joshua nous connaît nous tous, tout à chacun, avant que nous soyons nés. Alléluia. Alléluia. He gave birth to us. Il nous a donné la vie. And so as we go, donc en continuant, Yeshua gave a mission. Yeshua donne donc une mission. With orders. Avec des ordres. Commands. Avec des commandements. Precise commands. Des commandements précis. To his disciples. À ses disciples. So he said, preach the kingdom of heaven. Donc il dit prêchez le royaume des cieux. Every Christian can preach the kingdom of heaven. Tous les chrétiens peuvent prêcher le royaume des cieux. A woman. Une femme. A kid. Un enfant. A man. Un homme. Even if he's not a pastor or a prophet or an apostle, he can preach. Même s'il n'est pas un pasteur, un prophète, il peut prêcher. Preaching is to announce
prêché, c'est annoncé. The return of Joshua. Le retour de Joshua. To announce his death on the cross. Annoncer sa mort à la croix. His resurrection. Sa résurrection. His work on the cross. Son œuvre à la croix. To announce the kingdom to come. Pour annoncer le royaume à venir. To preach that there is a hell and heaven. Prêcher qu'il y a un enfer et un paradis. To preach the repentance. Prêcher la repentance. To preach that you need to repent from your sins in order to enter the kingdom of heaven. Prêcher que tu dois te repentir de tes péchés pour entrer dans le royaume des cieux. To ask for forgiveness. En demandant le pardon de tes péchés. To ask for forgiveness for your sins. Tu demandes pardon pour le pardon de tes péchés. That's preaching. Ça, c'est la prédication. Yes, true gospel. Oui, c'est le véritable évangile. It's to say to the men that are dying. C'est dire aux hommes et femmes qui sont en train de mourir. That there is a solution. Qu'il y a une solution. And that solution has a name. Et cette solution a un nom. Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. And this name has been made above all names. Et ce nom a été rendu le nom au-dessus de tous les noms. Whosoever will call to this name will be saved. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. So that's the first mission of every Christian. Donc c'est la première mission de chacun de chrétien. To preach the gospel. Prêcher l'évangile. You can preach in different ways. Tu peux prêcher de différentes façons. To your family. À ta famille. By your change of attitude. En ayant ton attitude changée. You will preach in silence. Tu peux prêcher dans le silence. But you will preach your family. Mais ce sera quand même une prédication. Because they will see the difference between before Joshua and after Joshua. Parce qu'ils verront la différence avant Joshua et après Joshua. They will see the difference. Ils verront la différence. You can preach by the way you work. Tu peux prêcher dans ta façon de travailler. By the way you talk. Par ta façon de parler. It's not necessary that you say Joshua every time in your mouth. Ça ne veut pas dire que tu dis tout le temps Joshua dans ta bouche. But the way you talk. Mais la façon dont tu parles. People will see something else. Les gens verront à travers ta façon de parler quelque chose d'autre. I remember one day. Je me rappelle un jour. I was with a colleague. J'étais avec un collègue. I never talked about God to him. Je ne lui ai jamais parlé du Seigneur. But one day he told me. Mais un jour il m'a dit. You are always calm. Tu es tout le temps calme. I don't know how you do it. Je ne sais pas comment tu fais cela. But you are always calm. Mais tu es tout le temps calme. And then it struck me. Et ça m'a vraiment frappé quoi. And I don't remember if I told him, yeah, because it's Jesus in me or something. I don't remember, but I had the response on my mouth that it was Jesus in me. Et j'avais la réponse à sa question, c'est Yeshua en moi. So I didn't talk to him about the kingdom. Et donc je ne lui ai pas parlé du royaume. But in silence, mais dans le silence, Joshua was speaking to him. Joshua était en train de lui parler à travers moi. Because people are looking at us. Parce que les gens nous regardent. You are a light. Tu es une lumière. When you come somewhere, quand tu viens quelque part, you give light to that place. Tu mets de la lumière dans cet endroit. Even if you haven't said a word, même si tu n'as même pas dit un seul mot, your presence, ta présence, will make devils flee. Fera que les démons vont s'enfuir. Your presence, ta présence, will make things move in the spiritual world. Fera que les choses se meuvent dans le spirituel. Even if you haven't spoken a word. Même si tu n'as même pas prononcé un seul mot. You will see. Tu verras. That people with demons. Que les gens avec des démons. Will not feel good being in your presence. Ne seront pas à l'aise dans ta présence. You will see those things. Tu verras ces choses. That
your presence, tu verras que ta présence will give discomfort to sinners. Mettra mal à l'aise les pécheurs. Only your presence. Rien que ta présence. The Holy Spirit in you. Le Saint-Esprit en toi. And your presence in someone in some place will attract Joshua's sons and daughters. Et tu verras que dans ta présence, enfin autour de toi, Joshua attirera des personnes qui craignent le Seigneur. They will come to you. Et ils viendront à toi. Don't you realize that sometimes people come to you and open their hearts about their life without you asking anything? Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens des fois qui viennent vers toi et ils commencent à ouvrir leur cœur sans même que tu leur aies posé quoi que ce soit? Because they feel something different in Parce you. Parce qu'ils sentent quelque chose de différent avec toi. They feel Joshua in ils you. Ils sentent Joshua qui est en toi. And they need to talk. Et ils ont besoin de parler. They need to come clean. Ils ont besoin de se purifier. They need to confess. Ils ont besoin de se confesser. They have heavy hearts. Ils ont des cœurs lourds. They have heavy sins. Ils ont des péchés lourds. They are looking for a solution. Ils cherchent une solution. Hallelujah. Hallelujah. You are an ambassador. Tu es un ambassadeur of Yahushua Mashiach. De Yahushua Mashiach. You represent the kingdom. Tu représentes le royaume. You are saying that the kingdom is coming. Vous voyez que le royaume vient. You are saying that this kingdom is coming. Tu dis que ce royaume est en train de venir. And but you are an ambassador. Mais tu es un ambassadeur. So You are showing a bit of this kingdom in this earth. Et donc tu fais un clin d'œil, tu montres une partie de ce royaume sur For terre. Example, Par exemple, if I go to the Congolese embassy here, si je vais ici à l'ambassade congolaise, I will have a glimpse. J'aurai un disons un échantillon of the Congolese culture, de la culture congolaise, of the Congolese country, du pays du Congo, of the Congolese language, et de la langue congolaise. If I go to this embassy and I start speaking Lingala, one of the main languages of Congo, they will understand me because they speak that language. Et si je vais dans cette ambassade et que je parle le Lingala, qui est la langue officielle du Congo, eh bien, tous les gens qui sont congolais là-bas vont me comprendre. And it's the same thing with the kingdom of heaven. Et c'est la même chose dans le royaume des cieux. We are ambassadors, nous sommes des ambassadeurs, and we represent this kingdom of heaven. Et nous représentons ce royaume des we cieux. Talk nous parlons the language of this kingdom. Le langage de ce royaume. The wisdom of this kingdom. La sagesse de ce royaume. The word of this kingdom. La parole de ce royaume. The king of this kingdom. We represent him. Nous représentons le roi de ce royaume. So that's why when people come to us, c'est pourquoi quand les gens viennent à nous, a glimpse, ils ont un échantillon of Yahushua Mashiach, un éclat de Yahushua Mashiach, of his kingdom, de son royaume, of his shalom, de sa paix, de son shalom, of his love, de son amour, of his kindness, de sa bonté, of his meekness, de sa douceur, of his holiness, de sa sainteté. Hallelujah. Hallelujah. Because we represent him. Parce que nous le représentons. As we preach, quand nous prêchons, people will come to him. Les gens viendront à lui. Every one of us, chacun de nous, we have this mission to preach. Nous avons cette mission de prêcher. To say that there is a kingdom to come and that there is salvation. Et nous devons dire qu'il y a un royaume des cieux qui est à venir et qui a le salut. All the religions, toutes les autres religions, are looking for salvation. Cherchent le salut. The Muslims, les musulmans, in the Islam, dans l'islam, they say that at the end of days, ils disent à la fin de leur parcours, when they will be judged, quand ils seront jugés, Allah,
soi-disant Allah will weigh the good and the bad that they have done in their life. Va peser les bonnes choses et les mauvaises choses qu'ils ont fait dans leur vie. And if the good outweigh the bad, then they will be forgiven and enter the paradise. Et si le bien qu'ils ont fait dépasse le mal, eh bien ils rentreront dans le paradis. But this is something that we cannot say they don't know if they are going or not. Donc ils n'ont pas l'assurance du salut. Don't have insurance that they will go to paradise. Ils ne sont pas sûrs à 100% qu'ils iront au paradis. But in for us as Christians, mais nous en tant que chrétiens, we know that we have been forgiven. Nous savons que nous avons été pardonnés. Because the blood of Yeshua, parce que le sang de Yeshua has been poured for us, a été versé une fois pour toutes pour and nous. He has been the scapegoat. Et il a été le bouc émissaire. The scapegoat for our sins. Pour nos péchés. He has paid the price. Il a payé le prix. Because the justice of Elohim is not as our justice. Car la justice d'Elohim n'est pas comme notre justice. Because when we sin, parce que quand nous péchons, we deserve death. Nous méritons la mort. There is one verse in the Bible that says the salary of of sin is death. Il y a un passage dans la parole qui dit le salaire du péché c'est la mort. And so, et ainsi, everyone has sinned. Tous ont péché. And it's not by your work. Et ce n'est pas par tes œuvres. As the Muslims think. Comme disent les musulmans. That you can buy your salvation. Que tu peux acheter ton salut. You are not worthy. Non, tu n'es pas digne. Nous I am not worthy. Je ne suis pas digne. No one is worthy of salvation. Personne n'est digne d'être sauvé. But because Elohim so loved the world that he has given his only begotten son for us not to perish but to have eternal life. Mais Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Yeshua afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. So here is the condition to believe. Donc ça c'est la condition pour croire. To believe that he has given. Pour croire qu'il a donné. So that's what we have to preach. C'est ce que nous devons donc prêcher. Our lives, nos vies, are a living letter. Nos lettres vivantes. We are a living letter. Nous sommes des lettres vivantes. Where Yeshua has written. Où Yeshua a écrit. In our hearts. Dans nos cœurs. In the table of our hearts. Dans les tables de nos cœurs. His word. Sa parole. We are a living testimony. Nous sommes des témoignages vivants of the work of Elohim in our life. De l'œuvre de Elohim dans nos vies. That's so that when we preach. Donc quand nous prêchons, we are preaching the word. Nous prêchons la parole. But we are living testimonies of this word in action. Mais nous vivons le témoignage en action dans ce monde. People will see the living testimony of that preaching in our lives. Les gens verront le témoignage vivant dans nos vies. So don't say. Donc ne dis pas. Oh, I don't know the word. Oh, je connais pas assez la parole. I don't know the verses. Je ne connais pas assez les versets. Oh, I am shy. Oh, je suis timide. Oh, I cannot do it. Non, je ne peux pas le faire. Open your mouth. Ouvre ta bouche. And the Lord will put a word into your mouth. Et le Seigneur remplira ta bouche de paroles. Even one verse. Même un verset. Even one word. Même un mot. Can give deliverance to somebody. Même un mot peut délivrer, apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. There was one man. Il y avait un homme. Whose son was sick. Je pense que son fils était malade. And he was a woman. Et c'était un Romain. He came to Yeshua. Il est venu à Yeshua. And he said, Lord, please come and heal my son.
Et il a dit, Seigneur, s'il te plaît, viens et guéris mon enfant, mon fils. And he want, Joshua wanted to go. Joshua voulait aller. But the man said, say only one word. Mais l'homme a dit, non, dis un seul mot. And my son will live. Et mon serviteur sera guéri. I think it's a servant. It's a servant. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. You see? Vous voyez? And he had faith. Et il avait la foi. And even Joshua was astonished. Et même Joshua était étonné. He said, I haven't seen this faith in all the house of Israel. Et il disait, je n'ai jamais vu autant de foi dans tout Israël. Alléluia. Une foi aussi grande. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. So he's saying here to preach the kingdom. Donc il a dit donc que nous devons prêcher le royaume. And what happens when you preach the kingdom? Et qu'arrive-t-il lorsque tu prêches le royaume? What happens when you preach Yeshua Mashiach? Qu'arrive-t-il quand tu prêches Yeshua Mashiach? When Yeshua Mashiach comes. Quand Yeshua Mashiach arrive. When the Spirit comes with you. Quand le Saint-Esprit vient avec toi. Then. Ensuite. Healing. La guérison will come too. Viendra également. Heal the sick. Guéris les malades. Cleanse the lepers. Rendez purs les lépreux. So, healing. Donc la guérison will come. Viendra to testify your preaching. Pour confirmer ta prédication. You will not preach healing. Tu ne vas pas prêcher la guérison. You will preach the kingdom. Tu vas prêcher le royaume. You will preach Mashiach. Tu vas prêcher Mashiach. And as you preach this kingdom, et pendant que tu prêches ce royaume, healings and cleansings of the lepers will come too. Les guérisons ainsi que la purification des lépreux accompagnera. Not only healing, il n'y aura pas simplement la guérison, but raising the dead, mais également la résurrection des morts. Cast out devils. Les démons seront chassés. So, when you preach the kingdom, donc quand tu prêches le royaume, all those gifts, tous ces dons, will also manifest. Vont se manifester. You will cast away demons. Tu chasseras les démons. You will raise dead. Tu vas ressusciter des morts. Heal the sick. Guérir des malades. Heal people who have cancers. Guérir les gens qui ont du cancer. Or AIDS. Ou bien le sida. Or coronavirus. Ou le coronavirus. Or I don't know which disease. Ou bien je ne sais pas quelle autre maladie. You will heal them by the name of Joshua. Tu apporteras la guérison dans le nom de Joshua. You cast away demons. Chasseras les démons. Deliverance will follow your minister. La délivrance va suivre, accompagner ton ministère. Hallelujah. Alléluia. What a mission. Quelle mission. Freely you have received, freely give. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Remember that all you have received. Rappelle-toi que tout ce que tu as reçu. The casting of demons. Donc chasser les démons. Preaching. La prédication. Exhorting. Et l'exhortation. Teaching. L'enseignement. Raising the dead, cleansing the lepers. La résurrection des morts, la purification des lépreux. Singing for the Lord. Chanter pour le Seigneur. All this. Tout cela. Has been given to you freely. T'a été donné gratuitement. And you freely you must give them. Et gratuitement aussi tu dois les donner. Alléluia. Alléluia. And then he said something else. Ensuite il dit quelque chose. He said, provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Ne vous procurez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures. Nor scrip your journey, neither two coats, neither shoes, neither no yet staves, for the workman is worthy of his meat. Ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. So he is the boss. Donc il est le boss.
He is the head. Il est la tête. He knows that you need coat. Il sait que tu as besoin de manteau. He knows that you need this the money to live. Il sait que tu as besoin de l'argent pour vivre. Shoes and everything. Des chaussures, toutes ces choses. A house. Une maison. And he's asking you. Et il te demande une chose. Don't worry about those things. Ne t'inquiète pas pour ces choses-là. I will provide them. Je pourvoirai. And if you are a workman. Et si tu es un ouvrier. And then, ainsi, you are the workman is worthy of his meat. Donc l'ouvrier mérite le salaire. Alléluia. Alléluia. He will pay your salary. Il va payer ton salaire. He will open doors. Il va ouvrir les portes. For a work. Pour un travail. He will open doors. Il ouvrira les portes. For an enterprise, pour a company une that entreprise. You will open. Ou que tu vas ouvrir. He will open doors. Il va ouvrir les portes. For your kids. Pour tes enfants. For them to be clothes. Afin qu'ils soient vêtus. For them to have a meal. Afin qu'ils aient le lait. For them to be educated. Afin qu'ils soient bien éduqués. For them to be at school. Afin qu'ils aillent à l'école. For them to be future prophets and prophetesses of Yahshua Mashiach. Afin qu'ils soient des futurs prophètes et prophétesses de Yahshua Mashiach. You and your family. Toi et ta famille. You will not. A lack of everything. Vous ne manquerez de rien. He will give you. Il vous donnera. What you need. Ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Search first for the kingdom of heaven. Cherchez premièrement le royaume des cieux. And everything else. Et le reste vous sera donné. Will be given to you. Par-dessus tout. Alléluia. Alléluia. Oh, praise the Lord. Nous louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Let's go to verse 16. Allons dans le verset 16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Be ye therefore wise as serpents. Soyez donc prudents comme des serpents. And harmless as doves. Et sans mélange comme des colombes. This mission is dangerous. Cette mission est dangereuse. This mission is for you to how do you say this mission is to take away people from hell. Cette mission est pour arracher des gens de l'enfer. And so this mission, donc cette mission is dangerous, est dangereuse, because you will be sent as sheep in the midst of wolves, parce que tu seras envoyé comme une brebis au milieu des loups. This earth, cette terre, has a lot of spirits, a beaucoup d'esprits. This earth, cette terre, has a lot of bad people. Elle est remplie de gens méchants. People who are traumatized. Des gens qui sont traumatisés. Selfish. Ceux qui sont égoïstes. They are full of sin. Ils sont remplis de péchés. Full of hate. Remplis de haine. And you will come. Et tu viendras. With the light. Avec la lumière. And Joshua was saying, et Joshua disait ceci, they have hated me. Ils m'ont haï. Because they have hated me. Parce qu'ils m'ont haï. If they have hated me. S'ils m'ont haï. They will hate you. Ils vous haïront aussi. If they have persecuted me. S'ils m'ont persécuté. They will persecute you. Ils vous persécuteront But aussi. Mais. If they have listened to my words. S'ils ont écouté ma parole. They will listen to yours. Ils écouteront votre parole. Alléluia. Alléluia. Oh. That's why. C'est pourquoi. He gives us counsels for the mission. Il nous donne des conseils pour la mission. For us to be wise as serpents. Afin que nous soyons prudents comme des serpents. And without mix as doves. Et sans mélange comme des colombes. The Greek word for without mix. Donc, le mélange en question en grec, c'est le mot akerios. And it means pure. Et ça veut dire pur, non mélangé. Spirit without mix of evil. Esprit sans mélange de mal. Hallelujah. Libre d'artifice. Oh, hallelujah. Hallelujah. Paul was saying. Paul disait ceci. For us to be as adults. Afin que nous soyons des adultes.
concerning judgment. En ce qui concerne le jugement. Hallelujah. But as kids. As children. Mais en tant qu'enfant. Concerning evil. Donc, attends, le verset c'est quoi encore? D'être, en français, c'est d'être des... soyez des adultes par rapport au jugement, mais enfants par rapport au mal. And I was saying to my wife, et je disais à ma femme, when you look at a kid, quand tu regardes un enfant, a child, un enfant, he's pure, il est pur, he's innocent, il est innocent. And the Lord wants us to be like a kid, like a child. Le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants. To look for the kingdom. Afin que nous approprions le royaume, pour nous regardions au royaume. And Paul now is speaking about the fact to be adults. Et Paul est en train de nous parler de l'état adulte. Hein, to be wise in judgment. Afin que nous soyons en fait sages dans notre jugement. But as kids. Mais en tant quand nous sommes enfants. En tant qu'enfant plutôt. Concerning evil. En ce qui concerne, pardon, le mal, soyons comme des enfants. Because when a kid do something evil. Parce que quand un enfant voit le mal ou quand il fait le mal. He will come to his father. Il viendra vers son père. And he will tell him. Et il lui dira, bon papa, oh, voilà. I've done something j'ai bad. Fait quelque chose de mauvais. I don't know what happened, but I did this. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait ça. And the father will say. Et le père dira. Okay, you have been you did well telling me. Okay, mon enfant, tu as bien fait de me le dire. Now be careful, don't do it again. Mais maintenant, fais attention, ne le refais pas encore une fois. But as a kid. Donc ça c'est la part de l'enfant, ouais. Alléluia. Alléluia. So he's saying. Donc il disait. To be careful. Que nous devions faire attention. And in verse 17, dans le verset 17, but beware of men, gardez-vous des gens, for they will deliver you up to the councils, car ils vous livreront au Sanhédrin, and they will scourge you in their synagogues, et vous châtiront avec un fouet dans leur synagogue. So he was saying to them, et il leur disait, that to beware of men, il leur disait de se garder des gens. Remember Yahushua. Rappelez-vous Yahushua. A lot of times in the Gospels. À chaque fois, beaucoup de fois dans les Évangiles. It is said that he wasn't giving trust to the crowd. Il disait à chaque fois qu'il n'avait aucune confiance en la foule. He said because he knew the heart of man. Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. So we have to be careful. Donc nous devons nous garder de certaines personnes. Beware of men. Nous garder des gens. Because it's them that they will deliver us to councils. Parce que ce sont eux qui vont nous livrer au Sanhédrin. Oh, alléluia. Alléluia. And you shall be brought before governors and kings for my sake. Et vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois. For a testimony against them and the Gentiles. En témoignage pour eux et pour les nations. And so, we will be witnesses. Nous serons des témoins. Witnesses to the kings. Nous serons témoins devant les rois. To the governors. Pour les gouverneurs. Because you see Paul, for example. Vous voyez Paul, par exemple. When he was arrested. Quand il était arrêté. In Jerusalem. À Jérusalem. First. Premièrement. He was sent to the Sanhedrin. Il a été envoyé dans le Sanhédrin. And he preached the gospel to the high priests and the Pharisees and the Sadducees. Il a prêché devant les pharisiens, les sadducéens, les prêtres. And then they wanted to kill him. Et ils voulaient le tuer en fait. And then he was sent to Felix. Ensuite, il a été envoyé vers Félix. A governor. Un gouverneur. And he stayed there for 2 years. Et il est resté là-bas pendant 12 ans. But he asked for Rome. Mais il a 2 ans. Hein, Il a demandé d'aller à Rome. Et il a demandé d'aller à Rome. And before going to Rome to the emperor. Et avant d'aller à Rome vers l'empereur.
he saw the king Herod, I think, one of the ancestors of the descendants of Herod. Et il a vu un descendant de Hérode. And he preached the gospel to them. Et il leur a prêché la parole. And then he went. So you see that the Lord has kept him. Donc vous voyez que le Seigneur l'a gardé. Even in the hands of his enemies. Même entre les mains de ses ennemis. Because he told them. Parce qu'il leur a dit. He told Paul. Il a dit à Paul plutôt. Take heed. Prends courage. Prends courage. Because you will be my testimony into Rome. Car tu vas être mon témoignage jusqu'à Rome. And so Joshua had a plan for him to go to the emperor. Et donc Joshua avait un rôle pour lui afin qu'il aille vers l'empereur. But before being a testimony to the emperor, mais avant d'être un témoignage auprès de l'empereur, he had to pass a series of tests, a series of trials. Il devait passer des épreuves et des tests et des tests. Hallelujah. Hallelujah. He went to the governor. Il est parti voir le gouverneur. Then to the king. Ensuite vers le roi. Then he almost drowned. Ensuite il a failli se couler. No, il a failli. Yes. Je sais pas comment. Almost drowned. Il est. Je sais pas comment dire en français encore. Il a failli se noyer, pardon. Noyer. Amen. Merci. Thank you. And then. He was bitten by a snake. Il a été mordu par un serpent. You see all the steps. Donc vous voyez toutes ces étapes. Before. Tout ça avant d'arriver. Before being a testimony in front of the emperor. Avant d'arriver devant l'empereur et de devenir un témoignage. For you too. Afin que toi. For you too. Pour toi aussi. Ah, pour toi aussi. The Lord is preparing you. Le Seigneur preparing you te prépare. To be a testimony, to be a witness first to your friends. Il te prépare pour être un témoignage premièrement pour tes amis. Your family. Ta famille. Your colleagues. Tes collègues. And then, who knows? Et après, qui sait? Presidents. Les présidents, peut-être. Kings. Les rois. Tribes. Les tribus. I don't know. Je ne sais pas. But a lot of things can happen in your life. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ta vie. And every small step. Et chaque petit pas. Will prepare you to the next step to come. Va te préparer en fait aux étapes à venir. The Lord will mission you. Le Seigneur va te missionner. He will give you strength. Il va te donner la force. He will give you zeal. Il va te donner le zèle for this mission. Pour cette mission. Without the zeal of the Lord. Sans le zèle du Seigneur. Without the hand of the Lord. Sans la main du Seigneur. This mission is not possible. Cette mission n'est pas possible. But with the Lord. Mais avec le Seigneur. It will succeed. Ça sera un succès. Alléluia. Alléluia. He is shaping you. Il est en train de te former. Because in order for Paul to be able to preach to the emperor, afin que Paul soit capable de prêcher à l'empereur, he had to be stoned. Il devait être lapidé. He had to be to almost drown. Il devait se noyer quasiment. He was persecuted from city to city. Il a été persécuté de ville en ville. He said he knew nudity. Il a connu la nudité. He knew thirst and hunger. Il a connu la faim. He knew all those things. Il a connu toutes ces choses. Because he was being prepared. Parce qu'il a été préparé. He had to deliver a message. Il avait à délivrer un message. To the emperor. À l'empereur. You know when you will stand to the emperor. Vous savez quand vous allez paraître devant l'empereur. Those are authorities. Ceux-ci sont des autorités. Dominions. Ce sont des dominants. There are spirits behind them. Ce sont des esprits qui sont derrière eux. And you have to be prepared. Tu dois être préparé. You have to be prepared to deliver the message as it is.
être préparé pour délivrer le message tel qu'il est. And say to the emperor, et dire à l'empereur, you are not a God, tu n'es pas un Elohim. But there is a God, mais il y a un Elohim who has created heaven and earth, qui a créé le ciel et la terre. And he asks you, et il te demande to give his life. He asks you to repent. Il te demande de te repentir, Because he loves you. Parce qu'il t'aime. And he doesn't want you to go to hell. Et il ne veut pas que tu ailles en enfer. You see? Vous voyez? We are being prepared. Nous sommes préparés. To talk to those people. Afin de parler à ces personnes. Oh, alléluia. Alléluia. I don't know what will be your mission in details. Je ne connais pas ta mission en détail. Only the Lord knows. Il n'y a que le Seigneur qui le sait. But every one of us. Mais chacun de nous. We have things to do. On a des choses à faire. We have a mission. Nous avons une mission. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. And verse 19. Le verset 19. But when they deliver you up. Take no thought or what you shall speak. Et quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. For it shall be given you in that same hour. Ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. What you shall speak, for it is not you that speak, but the spirit of your father. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Which speaks in you. Qui parlera en vous. Oh, alléluia. Alléluia. You see? Vous voyez ici? Don't worry about what you will say. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Because at the same hour. Parce qu'à l'heure même. It shall be given unto you. Cela sera vous sera donné. And the Father, the Spirit of the Father. Et l'Esprit du Père. Alléluia. De votre will speak Père through you. Parlera à travers vous. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur, Père. Let's go to Matthew 28. Allons dans Matthieu 28. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Luke. Alléluia. Alléluia. Matthieu. Matthew 28, verse 18. Matthieu 28, verset 18. And Jesus came and spake unto them. Yeshua s'étant approché, leur parla en disant. Saying, all power is given unto me in heaven and earth. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Go you therefore. Allez donc et faites de toutes les nations. And teach all nations. Des disciples. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. And lo, I am with you always. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours. Even unto the end of the world. Jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see here. Vous voyez ici. He's saying now to go to the nations. Il dit maintenant allons dans les nations. Matthieu 28. To teach all nations. Afin de prêcher à toutes les nations. And baptize them then. En les baptisant. And make them disciples. Et en faisant d'eux des disciples. And to teach them. En leur enseignant. Oh, hallelujah. Hallelujah. So you preach them. Donc regarde, tu les prêches. And then. Ensuite. When they are converted. Quand ils sont convertis, you are not only preaching, but you will have to teach them. Tu vas pas seulement les prêcher, mais maintenant tu vas commencer à les enseigner. The one that we will receive Yeshua. Celui qui recevra Yeshua. Then we will need to respect to obey the commands. Ils auront besoin de garder les commandements. And they will need to be taught. Et ils auront besoin d'enseignement. Oh, alléluia. Alléluia. Everything that you will encounter in your life. Tout ce que tu rencontreras dans ta vie. Every trials that you will pass. Toute épreuve auxquelles tu seras confronté. Every fight. Tous les combats. Every victory. Toutes les victoires. Will serve you. Te serviront. And will serve those who you will teach. Et serviront aux personnes que tu vas enseigner. You will be able to teach people because you have been through those things. Tu seras capable d'enseigner aux personnes parce que tu es passé à travers ces choses. Alléluia. 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 If the Lord has
freed you from cigarettes. Si par exemple le Seigneur t'a délivré de la cigarette, from drugs, de la drogue, then you will be able to understand. Donc tu seras capable de compatir et de comprendre. Those who have been in the same situation. Ceux qui ont été dans la même situation. Alléluia. Alléluia. All the things that you will live in your life will be teaching for them. Tout ce que tu passeras dans ta vie sera un enseignement pour eux. Oh, thank you, Lord. Oh, merci, Seigneur. Let's go to allons vers Luc. I think it's 9. Je pense que c'est le livre 9, Luc 9. Here it's the same thing. Ici c'est la même chose. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils. Luc 9, verset 1, « Mais ayant convoqué les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. » And to cure diseases. Pour guérir les maladies. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Et il les envoya prêcher le royaume d'Élohim et guérir les malades. So same mission. C'est la même mission. Luc 10. Luc 10. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. He's sending the 30s. Il envoie les 70. Il envoie les 70 disciples. Same thing. After this thing, the Lord appointed over 70 also and set them two and two before his face and into every city and place whither he himself would come. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et il les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Et il leur disait donc, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pray thee, therefore, the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into this harvest. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Heal the sick. Guérissez les malades. Say unto them, the kingdom of Elohim is come nigh unto you. Et dites-leur, le royaume d'Elohim s'est approché de vous. Alléluia. Alléluia. You see? Vous voyez? And then, ensuite, if we go to Mark, si nous allons dans Marc, Mark 6, I think, is the same thing. Marc 6, je pense que c'est la même chose. Merci, Seigneur. And he called unto him the 12, and he began to send them forth by two, and gave them power over unclean spirits. Et il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux en leur donnant l'autorité sur les esprits impurs. Alléluia, verse 12. Verset 12. And they went out and preached that men should repent. Et ils partirent et prêchèrent pour que les gens se repentent. And they cast out many devils. Et ils chassèrent beaucoup de démons. And anointed with oil many that were sick and healed them. Et oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérir. Oh, alléluia. Alléluia. Same thing here. La même chose dans Marc. Mark 16. Marc 16. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Marc 16. And he said verset 15. Unto them, et il leur dit. Go you into all the world and preach the gospel to every creature. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. He that believes and is baptized shall be saved. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. But he that believes not shall be damned. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. And these signs shall follow them that believe. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. In my name shall they cast out devils. Ils chasseront les démons en mon nom. They shall speak with new tongues. Ils parleront de nouvelles langues. They shall take up serpents. Ils prendront dans leurs mains les serpents. And if they drink any deadly thing, et s'ils boivent quelque chose de mortel, it shall not hurt them. Elle ne leur fera jamais de mal. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Alléluia. And see here, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following.
Et verset 20, et eux étant partis prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Alléluia. Sometimes we can be so selfish. Des fois, nous sommes tellement égoïstes, hein, nous pouvons être. We are focused on our own life. Nous sommes donc focus sur nos propres vies. Instead of asking the Lord for the heart for the lost souls. Au lieu de demander au Seigneur le cœur pour les âmes perdues. You have the Lord in you. Tu as le Seigneur en toi. You have peace in you. Tu as la paix. You have joy. Tu as la joie. That comes from the Holy Spirit. Qui vient du Saint-Esprit. You are no more afraid of death. Tu n'as plus peur de la mort. You are no more afraid of a lot of things. Tu n'as plus peur de beaucoup de choses. Because you have Jesus in you. Parce que tu as Yeshua en But toi. But remember. Mais rappelle-toi. There are souls. Il y a des âmes. Outside. Dehors. That need qui ont besoin the same thing that you have. Des mêmes choses que tu as. Salvation. Le salut. Shalom. Shalom. They need those things. Ils ont besoin de cette chose, de ces choses. But how they will convert if they are not preached? Comment en entendront-ils parler s'ils ne sont pas prêchés? Comment seront-ils convertis? Alléluia. Alléluia. That's really what I had in my heart. C'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur. The mission. La mission. The mission. La mission. You have a mission. Tu as une mission. You are important. Tu es important. In the eyes of the Lord. Dans les yeux du Seigneur. You are a key. Tu as une clé. You are a master key. Tu es une clé maîtresse. La clé maîtresse. You are a master key. Tu es une clé maîtresse. Tu es une clé maîtresse. In his plan. Dans son plan. He has a plan. Il a un plan. And he knows to your life. Il sait à travers ta vie. He can touch. Il peut toucher. Thousands and thousands of lives. Des milliers et des milliers de personnes de vie. But mais you have to cooperate. Tu dois coopérer. You have to be sensible. Tu dois être sensible. You have to listen to him. Tu dois l'écouter. You have to be taught by him. Tu dois être enseigné par lui. You have to be shaped by him. Tu dois être façonné par lui. There are times il y a des fois when the Lord will shape you, give you his commands, and is waiting for you to be in silence, is waiting for you to obey. Des fois, il y a des temps, des moments où le Seigneur est juste dans le silence comme ça, il veut juste que tu puisses obéir. There are times when we go out. Et il y a des temps comme ça quand on doit sortir. We'll preach. Nous devons prêcher. And then there are times. Et après, il y a des temps aussi. When we stay at home. Où nous restons à la maison. And the Lord restores us. Et le Seigneur là nous restaure. It's a battle. C'est un combat. When we go out. Quand nous allons dehors. To preach. Pour prêcher. To heal the sick. Pour guérir les malades. To do the work. Pour faire le travail du Seigneur. We are giving a fight. Nous sommes en train de combattre là. And we are giving fists. Et nous donnons des coups dans le camp de l'ennemi. Like a boxer. Comme un boxeur. You are giving uppercuts. Donc tu fais des uppercuts. You are giving you and but you receive also. Mais tu reçois aussi. The enemy will give you things too. Will give fists. L'ennemi va essayer de se venger. Il va essayer de donner des coups. He will throw darts in il your va mind. Envoyer des flèches That's why enflammées vers toi. When you go outside. C'est pourquoi quand tu sors. You fight. Tu combats, oui. With the word. Avec la parole. With the sword. Avec l'épée. But then when you come back. Mais ensuite quand tu reviens à la maison. You stay a little bit. Il faut rester un tout petit peu. To recover. À la maison pour pouvoir reprendre. To pray. Pour prier. And to be healed. Et afin que tu sois guéri. And then you will go back again. Et ensuite tu repars encore.
That's our mission. Ça, c'est notre mission. And there are different ways of doing the mission. Et il y a différentes façons de faire la mission. There are people. Il y a des gens. They have easily this gift of speaking loud. Il y en a certains qui ont une aisance à parler fort dans la and rue. They will preach into the street and they will shout and everything. Et ils vont crier dans la rue, et ils vont faire tout. There are other people. Il y a d'autres personnes. They will go one on one. Ils iront un à un. They will talk to people. Ils parleront aux gens. There are other people. Un à un. Il y aura d'autres personnes. They know how to write. Ils savent comment écrire. So they will write things. Et ils vont écrire des choses. In Facebook. Sur Facebook. Instagram. Sur Instagram. They will write books. Ils vont écrire des livres. They will write things. Ils vont écrire des choses. Because they have been given this gift. Parce qu'ils ont ce don-là, tout simplement. And there are so much ways. Il y a tellement de façons to help the kingdom de faire avancer le royaume afin qu'il vienne. So you have to ask him. Donc tu demandes de lui. There are people that can sing. Il y a des gens qui savent chanter. And they can go into one street and start to sing and then preach the gospel. So every one of us, we have things. Donc, il y en a d'autres qui peuvent chanter, puis ensuite, ils commencent à prêcher. Donc, chacun de nous a quelque chose. Nous avons tous des dons. Alléluia. Alléluia. May the Lord help us. Que le Seigneur nous assiste, nous aide, in Yahushua's name. Nous équipe au nom de Yahushua. Amen. Amen. Amen.